Bonjour Yves. Ça me fait très plaisir aujourd'hui de pouvoir te souhaiter une excellente retraite à la fin d'une carrière formidable. J'ai eu le privilège de partager une vingtaine d'années avec toi au Centre Saint-Laurent en Environnement Canada et tu as été un collègue, un superviseur, un ami, vraiment comme on peut en rêver. Tu as de l'enthousiasme, tu es la plupart du temps de bonne humeur, tu as une rigueur scientifique et une créativité hors pair. En fait, ça a été très fructueux et vraiment très agréable de passer toutes ces années-là à tes côtés. En tant que gestionnaire, tu as été le Teflon Man dont toutes les administrations rêvent. Il n'y avait rien qui arrivait à te décoiffer, puis tu parvenais toujours à faire le tour des problèmes, que ce soit en relation humaine ou avec le financement ou avec l'organisation. Lorsque j'ai eu à parler aux gens de Pêche-Océan qui voulaient te prendre parmi eux en 2014, je leur ai dit que tu faisais partie des gestionnaires en voie d'extinction. En ce sens que c'est très rare qu'on ait des gestionnaires qui comprennent la science, qui apprécient ce que les chercheurs font et qui puissent aussi jongler avec toutes les contingences administratives. J'ai conclu l'entretien avec eux en leur disant que ça me faisait beaucoup de peine que tu t'en ailles, mais qu'en même temps, ils seraient complètement fous de ne pas te prendre. Alors, je pense qu'ils ont fait la bonne décision. Et tu as pu continuer à grandir dans une autre organisation, ce qui est formidable et qui t'a donné une carrière magnifique. Alors, je te souhaite une excellente retraite et à bientôt, j'espère. Ouais, pour moi, dans le fond, qu'est-ce que je me souviens de ma relation avec Yves de La Fontaine? Je vous dirais que c'est probablement qui a changé ma vie pour le mieux. C'est assez simple, en fait. Yves a réussi à me faire sortir de la ville de Québec pour m'amener à l'IML. Je sors d'un ministère un peu bizarre et d'une ville pleine de trafic à ma ville natale, dans un milieu de travail extraordinaire, avec des collègues que j'ai appris à connaître qui étaient fabuleux. Je retrouve ma famille ici, à Rimouski. Et tout ça, sincèrement, ça tient du fait que j'ai rencontré Yves à l'été 2017. Et depuis ce temps-là, je pense qu'il m'a fait confiance puis que j'ai appris à travailler avec lui, avec son équipe. Et ça a été un moment que j'oublierai pas, je pense, cette rencontre-là où j'ai commencé à comprendre que peut-être j'avais des chances de revenir à Rimouski. Sincèrement, pour ça et pour l'énorme confiance, je crois, que tu m'as donnée, merci beaucoup et très, très bonne retraite. Merci. Ce que j'apprécie le plus chez Yves de La Fontaine, c'est sa grande curiosité. Yves s'intéresse à peu près à tous les sujets et aime également partager avec nous les choses qu'il a apprises. Mon souvenir favori avec Yves est survenu le 6 novembre 2015, au lendemain de l'assermentation du ministre de Pêche et Océan Canada sous le tout nouveau gouvernement de Justin Trudeau. On apprenait alors, en toute fin de réunion, que la directive des communications avait changé et que dorénavant, on nous demandait de dire oui à toute demande d'entrevue sur nos domaines d'expertise. Salut Yves, tu as été un excellent directeur des sciences et puis tu vas nous manquer. Bonne retraite, à bientôt. Déjà 5 ans et demi depuis, environ 5 ans et demi depuis notre première rencontre. Je me souviens très bien de cette rencontre. Elle a eu lieu dans ton bureau. Tu m'as demandé de faire un portrait du service hydrographique, de te faire un portrait avant mon départ et de te décrire les enjeux et les défis de cette organisation. Je te remercie beaucoup pour ton écoute à ce moment-là. Et puis, j'ai aussi eu la chance d'assister à 2 réunions du comité de gestion, je pense, si je me souviens bien, sous ta gouverne. Et j'ai bien aimé la façon dont tu dirigeais ces réunions, tu menais ces réunions en équipe.
Alors, c'est des bons souvenirs pour moi. J'aurais bien aimé travailler avec toi plus longtemps. Malheureusement, je suis parti en mai 2014 à ton arrivée, un peu après ton arrivée. J'ai entendu de bons mots sur la façon dont tu as amené l'Institut. Et j'ai aussi la façon dont tu as travaillé avec le service hydrographique. Alors, Yves, je te souhaite une belle retraite et une belle et heureuse retraite et au plaisir de se revoir dans différents contextes, soit dans le cadre de l'Association canadienne d'hydrographie ou de la Conférence hydrographique canadienne que je préside ou d'autres événements, peu importe. Ce sera un plaisir de se revoir puis de jaser. Alors, encore une fois, bonne et heureuse retraite, Yves, et profite-en. Yves, d'abord, merci pour ton accueil chaleureux quand je me suis joint au MPO l'an dernier, en commençant avec l'invitation de participer à la journée PPO. Quand je pense à toi, je pense à engagement. Je regarde les différents dossiers où on a eu le plaisir de travailler ensemble, que ce soit des dossiers de sciences, du SHC, de la culture scientifique, sondage des employés de la fonction publique. Dans tous les cas, tu participais pleinement et puis j'ai beaucoup apprécié en fait ta contribution et, comme je dis, ton engagement. Et je suis certaine que tu vas entreprendre de nouveaux projets, de nouvelles aventures avec cette même énergie. Donc, j'en profite pour te souhaiter une très belle retraite, beaucoup de santé, beaucoup de projets. C'est bien mérité. Hello Yves from Sicile. Hope this video finds you well. What I've appreciated with you most over the years is your openness and honesty at the CGR meetings and on phone calls. Listen, I wish you all the best in your retirement. I'm sure it's well deserved. Hope everything goes well and stay healthy. Goodbye. Hello, Yves. I wanted to wish you the best in your retirement. You oversaw a period of growth at the Institute, and I think because of your vision and strong science background and strong science vision, you got excellent people in place and you set in motion a series of projects and ideas for the future that will be a legacy to your stay here. And it will put us in really good stead for the next several years, regardless of what happens politically. Also, it's a little bit of a shame that I didn't get to know you better during your time here. It was only during last year at the ICES Annual Science Conference in Hamburg that I got to know you a bit. Where we had that suburban hotel and had to take the train every day to the conference center. And I had supper with you a couple of times and I got to know you a bit better then. It was nice to get to know you at least at the end. So I wish you all the best in your retirement, Yves. And good de l'Institut Maurice Lamontagne. Désolé de pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Mais je tenais, Yves, à faire ce petit vidéo. Que je comprends va être faire partie d'un montage, pour te souhaiter une bonne retraite, Yves. Tu vas nous manquer, tu vas me manquer. J'ai tellement apprécié nos discussions au cours des dernières années, notre collaboration. Parlant de discussion, on avait toujours le don de faire des appels ensemble après 5 heures qui s'éternisaient, mais je pense que ça a été, à chaque fois, ça a été des bonnes discussions. On a eu du plaisir à discuter d'enjeux qui étaient la plupart du temps assez sérieux, puis mais c'était toujours pour améliorer la situation des sciences, améliorer la situation de l'Institut Maurice Lamontagne, améliorer la situation des employés. Fait que c'était un plaisir de collaborer avec toi, Yves. Pour tout le monde, je pense qu'il y a une qualité que moi j'ai retenue, c'est la passion de Yves dans ses propos, à toutes les fois qu'il a amené des enjeux pour lesquels on devait avoir on devait regarder des solutions possibles. Yves l'a toujours fait avec une passion. Puis ça, c'est moi, je l'ai remarqué aussi lorsqu'il faisait ses visites avec certaines personnalités quand on devait les amener à l'Institut Maurice Lamontagne. Il a toujours fait des visites extrêmement passionnées avec bien expliqué, bien vulgarisé. Alors, c'est une des qualités que je retiens le plus. Fait que si jamais on manque d'étudiants pour faire continuer l'excellent travail des visites auprès des citoyens à l'Institut Maurice Lamontagne. Si on manque d'étudiants, je pense qu'on devrait appeler Yves
pour faire ces visites-là. Fait que, Yves, bonne retraite, amuse-toi bien, tu sais, pleinement mérité. Mais comme je t'ai dit, tu vas nous manquer. Bonjour Yves, ça me fait très plaisir de te parler aujourd'hui. Ce que j'ai le plus apprécié de ton séjour, c'est ta direction scientifique, mais surtout avec l'enthousiasme avec lequel tu as fait cette direction-là. J'ai un souvenir précis d'une réunion d'orientation à l'auberge du gouverneur. Là, on a réussi à faire ça, une direction scientifique, des objectifs clairs qui nous servent encore aujourd'hui, mais avec une bonne humeur, une entente qui a été remarquable. Maintenant, il y a une autre chose que je veux dire, c'est qu'on parle toujours, quand les gens vont en voyage, qu'ils ont une plage qui les attend quelque part. Mais dans ton cas, ce n'est pas une plage, c'est un restaurant. Je l'ai trouvé, il est à Venise, puis là, je te le présente, j'ai une photo derrière moi. Et voilà, c'est le Ristorante d'Aivo, pour toi qui t'attends à Venise. Ben, bonne retraite et bon voyage. Salut Yves, juste un petit mot pour te souhaiter une belle retraite qui est grandement méritée. Donc, je te souhaite d'en profiter au maximum, de faire les choses que t'aimes, qui te tentent, qui te plaisent. Et puis, je veux également te dire que j'ai grandement apprécié le petit bout de temps qu'on a pu travailler ensemble. Fait que, bonne retraite, prends soin de toi, puis je te souhaite que le meilleur pour toutes les années à venir. Bye bye! Bonjour Yves! C'est le jour J, ou on devrait dire peut-être plutôt le jour R, en tout cas la grande occasion de ta retraite. Puis j'aimerais prendre un moment pour te transmettre un petit mot d'appréciation personnelle. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi depuis 5 ans. Ta vision, ton énergie, ton soutien, ta confiance en moi et en toute notre équipe ont contribué à une expérience exceptionnelle qui a beaucoup marqué ma carrière et je pense celle de plusieurs autres à l'IML aussi. Alors merci infiniment, je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Profites-en, aie du plaisir et j'espère que tu vas trouver un peu de temps aussi pour chanter. Bonne retraite. Thank you.